On commence avec une nouvelle de dernière heure. Israël et le Hamas seraient sur le point d'en venir à une entente provisoire, une trêve de 5 jours. En échange de la libération d'une cinquantaine d'otages détenus actuellement à Gaza, l'information est parue en soirée dans le Washington Post qui rapporte que les États-Unis ont pris part aux négociations. Et pour en parler, je joins François Audet, professeur et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM. Bonsoir, M. Audet. Bonsoir. Dites-moi, après 43 jours d'intenses bombardements sur la bande de Gaza, après les événements du 7 octobre en Israël, parlez-moi de l'importance d'une telle trêve, si bien sûr elle devait être instaurée. Oui, et on va le dire effectivement au conditionnel, parce qu'évidemment, là, il y a encore des pourparlers qui sont en cours pour peaufiner cet accord-là. Ce qu'elle dit, l'accord pour le moment, ce qu'on en sait selon le Washington Post, c'est que ce serait 5 jours de trêve qui permettrait la libération d'un certain nombre d'otages qui n'est pas déterminé et l'entrée massive d'aide humanitaire. Et ce que ça implique, évidemment, si ça s'avère, compte tenu de la catastrophe humanitaire qu'on voit actuellement dans la bande de Gaza, évidemment, c'est un pas de géant pour la protection des civils. Évidemment, il faut que la trêve soit respectée, ça va de soi, mais sachant que les États-Unis sont derrière, disons que c'est un bon signe qu'il y a une énorme pression internationale pour permettre à cette trêve de se réaliser. On est d'accord aussi, il faut se dire, c'est une trêve, hein, ce n'est pas un accord de cessez-le-feu, mais ça va, c'est certainement un pas en avant vers un éventuel cessez-le-feu. Monsieur Audet, alors que des Palestiniens quittaient le nord de Gaza pour se rendre vers le sud, on se souvient qu'il y a certains convois qui ont été attaqués et ensuite les deux camps se sont mutuellement accusés. Croyez-vous que les deux parties soient en mesure de respecter un accord provisoire? Ce que vous soulevez là, c'est ce qui survient depuis les 40 derniers jours ou à peu près. C'est une guerre d'information très sensible, très polarisante. Et évidemment, celui qui va démontrer que l'autre tort aura un soutien particulier d'un groupe ou l'autre, alors il faut y aller avec beaucoup de prudence. Ce genre de trêve-là, et on l'a vu par le passé ailleurs, que ce soit en Afghanistan, en Syrie aussi plus récemment, sont des extrêmement fragile. C'est toutes les chaînes de commandement qui doivent évidemment prendre qui sont partie prenante de ça. Et on sait qu'au niveau du Hamas particulièrement, il y a plusieurs groupes, à Gaza aussi, plusieurs groupes qui sont impliqués, qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes chaînes de commandement. Alors, il faut vraiment que cette trêve-là soit prise au sérieux par le Hamas afin que un éventuel cessez-le-feu puisse arriver. Est-ce qu'une possible libération d'otages pourrait-elle être bénéfique pour le premier ministre Benjamin Netanyahou? On sait que de plus en plus de voix s'élèvent en Israël pour exiger son départ. C'est sûr que la pression est énorme sur Netanyahou, mais sur l'ensemble de l'intervention, depuis le début de l'intervention. Alors, c'est certain que ça serait pour Netanyahou, évidemment, un grand résultat parce que depuis le début de l'intervention, évidemment, hormis des frappes importantes, hormis le démantèlement de certains endroits à l'intérieur de Gaza, une opération très complexe, il n'y a pas nécessairement eu de résultats politiques importants. Donc, la libération de prisonniers serait certainement, pour M. Netanyahou, beaucoup de pression de moins sur ses épaules. En 30 secondes, rapidement, M. Audet, Israël s'est toujours opposé à un cessez-le-feu en soutenant que le Hamas pourrait en profiter pour planifier de nouvelles attaques. Est-ce que le Hamas pourrait tirer avantage de cette situation pour se ravitailler et planifier de nouvelles actions? Écoutez, là-dessus, je me permettrai de laisser mes collègues en stratégie militaire répondre, mais pour le moment, disons que la situation humanitaire est tellement difficile, je me permettrai davantage, si vous voulez bien, de répondre sur le fait que c'est une très bonne nouvelle pour la population de Gaza. Il faut absolument que la communauté internationale, le Canada et les États-Unis continuent à faire pression sur Israël pour la protection des civils. De mon côté, je voudrais que ce serait la perspective qu'il faut pousser et je vais laisser mes collègues répondre davantage sur la stratégie militaire à ce niveau-là. Et je rappelle, M. Audet, que selon la porte-parole de la Maison-Blanche, il n'y a pas d'accord encore, mais on dit y travailler très fort. C'est ce que Adrienne Watson a écrit sur le réseau social X un peu plus tôt. M. Audet, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Je vous en prie.